ramenez ses bras. Allez. Combien tu veux là? 55, c'est bien. Eh bien, on va charger la barre à 52 kg pour le troisième essai de Vincent Chaussonnet de l'US Colony. Et après, se prépare à 55 kg Charlie Bénard pour son premier essai et Léonard Bongo pour son troisième essai. La barre reste chargée à 50 kg pour le troisième essai de Léonard Bongo. Pour le, non, 55 kg pour le troisième. Non, on cherche la barre à 55 kg, excusez-moi, ça a été à 52. À 55 kg pour le troisième essai de Léonard Bongo. Allez Léonard, allez, elle est facile cette barre. 55 kg, tu as déjà fait. On va passer donc à 60 kg pour le premier essai de Clément Charon, le premier essai de Nicolas Dufault, le premier essai de Jean-Claude Anour et le deuxième essai de Charlie Bénard. À 60 kg la barre, c'est l'échangeur pour Clément Charon du club de Colomiers.
C'est bon pour que Clément Chiffron. Combien? 7. Il a montré que les coups ne sont pas. Il vous l'a montré là. Attends, moi je vois pas les lampes là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux blancs. Il y avait deux rouges. Deux blancs. C'est bon alors. Ils se sont pas. Donc combien il veut? 35. Très bien. Bien. Donc la même charge pour Nicolas Dufault du club de La Bastidelle. Et se prépare à suivre Jean-Claude Anneau. Et Charlie Léna. Et se prépare Charlie Ménard du club de Colomiers. À nous. Alors, c'est à Charlie Ménard du club de Colomiers de passer. Il a changé de barre. C'est bon, donc pour on charge en barre maintenant à 63 kg pour Patrick Paul. En 63 kg pour Patrick Paul. Et se prépare après à 60. Charlie, il est passé à 63. Non, il veut passer à 63. Donc, 63 kilos pour pas de poil. Pour Charlie Ménard de l'US Colomiers. Et se prépare après à 65 kg. Patrick Paul, Charles Piment. Donc on charge la barre maintenant à 65 kg. 65 kg pour le deuxième unité de Patrick Paul.
le deuxième essai de Clément Charron et le troisième essai de Nicolas Dufault. Deuxième essai de Nicolas Dufault. Donc à 65 kg pour le deuxième essai de Clément Charron et se prépare Nicolas Dufault pour son deuxième essai. Nicolas Dufault, club de Chasse. Il reprend la même barre. Oui, très bien. On garde 65 kg sur la barre pour le deuxième essai de Nicolas Dufault. Et il se reprépare ses manches charron à 65 kg. Pour le deuxième. Troisième essai pour Nicolas. Non, deuxième essai pour Nicolas Dufault. Troisième essai de Clément Charron du club de Colomiers. Et se prépare à 70 kg. Mathieu Tomara. Après Jean-Claude Anou.
et Pierre Zaccarotto. Bien, 70 kg sur la barre, s'il vous plaît, pour le premier essai donc, de Mathieu Tomara. Se prépare à suivre Jean-Claude Anneau de la Bastidelle, Pierre Zaccarotto, du club de la Bastidelle, et Nicolas Dufault pour son troisième essai, également du club de la Bastidelle. Et après, on passera à 71 kg pour Patrick Paul. Écoutez, 70 kg donc pour Mathieu Tomara. Se prépare à suivre Jean-Claude Anneau. Bon. Très bien, donc 70 kg pour le premier essai de Jean-Claude Anneau, de Pierre Zaccarotto et le troisième essai de Nicolas Dufault. 3 de Labastinette. Vous entendez derrière là? Non? Il y a volume. Jean-Claude Anneau du club de la Bastidelle, Pierre Zaccarotto après du club de la Bastidelle et Nicolas Dufault du club de la Bastidelle. C'est bon. Combien il prend? Deuxième essai de Jean-Claude. Il a compris. Donc 70 kg sur la barre pour Pierre Zaccarotto. Se prépare Nicolas Dufault. Et après Patrick Paul à 71. Jean-Claude Anneau, combien tu prends? 15. 85. C'est bon pour Patrick Paul. Vient la barre échangée à 70 kg pour Mathieu Tomara du club de Colombie. Ah non, il y a 70 kg d'abord. 70 kg de Pierre Zaccarotto et du faux Nicolas. Il vient de passer ça. Combien il a fait? 70. Ah ok. Et comme il veut. Paul, il n'est pas passé. Paul. Il est passé. Et par contre, il faut redescendre à. Pour Nicolas Dufault, là, il faut redescendre à 70. Il y a 70. Hein? Il y a 70. Et puis. Ah bon, ben alors, c'est bon. Alors, c'est à Nicolas Dufault. Paul, il n'est pas passé. Il a marqué Paul. Paul, il n'est pas passé. Okay. C'est bon? Oui.
Et c'est pour Nicolas Dupont. Bien, maintenant la barre est chargée à 71 pour Patrick Paul. Et se prépare à 72, Mathieu Tomara. Allez Fabrice,
se préparent Jean-Claude Anou et Pierre Sakayoto. Allez, Gérard. Allez, Gérard. Allez, ici, le bout. Allez, on va bien dans mon cœur. Et après, à 76, Mathieu Tomara. La barre reste chargée à 75 kg pour le deuxième essai de Jean-Claude Anou et de Pierre Sakayoto. Du club de La Bastidelle se prépare Mathieu Tomara à 76. Mathieu Tomara. Là, tant qu'il n'y a pas les trois, ça ne fiche pas en fait. Donc là, combien 76. C'est bon? Bien, la barre est chargée à 76 kg pour Mathieu Tomara. Allez Mathieu! La barre chargée à 80 kg. J'ai que toi. La barre chargée à 80 kg, s'il vous plaît. Pour le premier essai de David Possian, se prépare Achille Bassara, puis Jean-Michel Vadier, et après pour leur deuxième essai, Fabrice Moury et Gérard Moreno. Combien tu veux, Mathieu? Là, c'est affiché. Appuyez fort. Ça y est, c'est affiché. Combien? Alors, 80 kg sur la barre pour le premier essai de David Possian. Alors, Possian domine la charge de barre à 80 kg pour Hachim Bachara. Et après, Jean-Michel Vadier de La Bastidelle.
toujours la même charge pour le premier essai de Jean-Michel Vallier. C'est affiché. Ouais. 80. Se prépare à suivre Jérémy Payet, Fabrice Maury et Gérard Moreno et Mathieu Thomas. Mathieu Tomara et Jacques Adano. Émile, il faut que tu surveilles dès que la barre est chargée. La barre reste chargée à 80 kg pour le deuxième essai de Payet. Se prépare Fabrice Maury, Jean Moreno et Jean et Mathieu Thomas. Achille Calvar, 85. Et c'est donc
pour Michael Tomara. Bien, toujours la même charge, 80 kg pour le troisième essai de Jean-Claude Anou. Se prépare à suivre Fabrice Maury. Jean-Claude Anou, 80 kg sur la barre, du club de la Bastidette. C'est bon pour Jean-Claude Anou. On garde toujours 80 kg sur la barre pour le troisième essai de Fabrice Maury, sur le premier. Se prépare après à 82 kg, Pierre Zakayoto. De Pierre Zakayoto, club de la Bastidette. Se prépare à 84 kg, David Gossian. La barre est chargée maintenant à 84 kg pour David Gossian du Toulouse Altero Club. Et après, se prépare à 85 kg Hachim Bachara et Jean-Michel Vadier. C'est bon. Bien, on met 85 kg sur la barre, s'il vous plaît. 85 kg pour le deuxième essai de Hachim Bachara et le deuxième essai de Jean-Michel Vadier. Hachim Bachara, tout à son club. Et Jean-Michel Vadier, JOH, la Bastidette. Allez Hachim, tu l'as bien fait. Accélère Hachim, allez Hachim.
Hachim Bachara. La barre reste chargée à 85 kg pour le deuxième essai de Jean-Michel Vanier. Maintenant à 90 kg, s'il vous plaît. 90 kg pour le premier essai de Kamel Sarraoui. Pardon ? Ah oui, 85 pour Gérard Moreno. Excuse-moi. Hein ? Jérémy. Pierre, de la Bastide, tu l'as 82. Gérard Moreno. Bon, 2,85, alors c'est d'abord à Jérémy Payet de passer à 85 kg et après à Gérard Moreno. Oui.
Merci. La même charge pour le deuxième essai de David Bossian. Se prépare à suivre Jean-Michel Vadier et après Hachim Bachara. C'est bon pour David. 95, 14. Ben, il y en a aucun affiché. La barre reste chargée à 90 kg pour le troisième essai de Hachim Bachara. Et se prépare Jean-Michel Vadier du club de la Bastidette. Hachim Bachara, Toulouse Altero Club. Faites-le avec le. Hachim, Hachim, allez! On la fume! Tu l'as déjà faite! La même barre pour Jean-Michel Vadier, club de la Bastidette. Là, il n'y a que Serge que ça ne marche pas. Là, je n'ai pas plié. Ben voilà. Là, c'est 90 kg. Et après, on passera à 94 kg avec David Bossian. Essayez d'appuyer quand même. La barre est chargée à 94 kg. 94 kg pour le troisième essai de David Bossian. Et après se prépare à 95 kg Kamel Sarraoui, Arnaud Gisquet et Eric Nisseron. Il est pas passé mon père.
Kamel. Non, mais Kamel, c'est pas passé. C'est à toi, Kamel. 95 kilos, toi, papa. Allez, papa. Kamel. Allez, facile. Allez, Kamel. Allez, allez. Combien tu prends? 100. Très bien. La barre est chargée à 100 kg. 100 kg pour le premier essai d'Arnaud Gisquet. Le premier essai de Yvan Gigor. Le deuxième essai de Kamel Sarraoui. Et le troisième essai d'Éric Nisson. Le dernier, ça c'est pas la réception. La réception. Tout ce qu'il y a à la réception, on peut accuser le front. Ça marche pas. Non, bizarre, mais ça c'est fait. Hein. C'est un peu pour Yohan Gigor du Toulouse Altero Club. 105. Pardon ? 105. 105, très bien. Donc c'est 105 kilos pour venir avec nous sur 100 kilos pour venir avec nous sur le sport. Non, avec nous sur 100 kilos. Il y a Sarraoui quand même. À 100 kg, il y a Sarraoui Kamel, s'il vous plaît. Et après, ce sera Éric Musseron. Allez, Kamel. Allez, Kamel. T'es où, là ? Kamel. Allez. Comme les Bulgares. Allez. Vous êtes cool. La barre est chargée à 5 kg pour Éric Nisseron du club de Colomiers. Kamel, 100 kg. Qui réalise un sans faute à l'arraché. Bien, donc la barre est toujours chargée à 5 kg pour le troisième essai de Kamel Sarraoui du Toulouse Altero Club et se prépare à 105 kg du Yohan Gigor et Arnaud Gisquet. Attends. Vas-y.
Il reste 4 essais, il y aura 10 minutes entre l'arraché et l'épaulé jeté. À 110 kg pour le deuxième essai de Yuan Jigor, se prépare à suivre Arnaud Gisquet à la même charge, si les deux sont du même club, Toulouse Zéro Club. Le club monte en haltérophilie au niveau des résultats en midi-pédalité. On a le record. On détient le record. Je l'avais envoyé depuis un mois. Allez, non. Allez.
vivant pour Arnaud, Sonny Kilo. Donc il reste Sonny Kilo là pour Johan Gigor. Bien, donc ainsi se termine donc le château de l'arraché. Nous allons passer à l'épaule et jeté.